Alors bonjour et bienvenue chez Rémi. Aujourd'hui, je vais vous faire un wok thaïlandais au sésame. Alors il vous faut pour ça du filet de poulet, des poivrons, courgettes, des champignons, un peu de nouilles aux œufs, des graines de sésame, de la sauce soja et de l'huile de sésame. Alors évidemment, l'objet hyper important de cette recette, c'est le wok. Le wok, c'est cette poêle demi-sphérique et grâce aux parois, en fait, tous les légumes vont cuire en même temps. Alors, on va commencer par le filet de poulet. Regardez, je le pose comme ça au milieu de la planche. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Je vais, pendant ce temps-là, allumer mon wok. Donc, j'augmente le feu, évidemment. Alors, évidemment, les enfants, c'est les parents qui font ça. Donc, j'ai mon wok qui est sur le feu. Je prends le filet de poulet. Regardez, je vais le couper en lamelles, comme ça, assez fine. Donc, on a le filet de poulet qui est coupé en lamelles, très finement. Et là, je prends de l'huile de sésame et j'en mets vraiment au fond de mon wok, comme ça. Voilà, l'huile de sésame, elle est chaude. On va mettre tous les filets de poulet coupé finement. Alors le secret d'un wok, c'est que tous les ingrédients doivent être vraiment coupés très finement. Donc je mets mon poulet. Après, on prend le poivron. Alors le poivron, je vous montre la technique. Alors pas pour les enfants, hein, parce que ça, c'est les adultes qui font ça. Mais on coupe le dessous du poivron. Après, le dessus ici. Après, regardez, je fais une petite fente ici avec mon couteau. Et après, regardez, je viens chercher tout l'intérieur pour enlever toutes les graines. Voilà, et j'enlève ça. C'est vraiment... facile, donc ça j'en ai pas besoin. Ça je le coupe en deux ici et après je viens faire des lamelles très finement comme ça. Une fois qu'on a coupé ce poivron, je prends le poivron, pareil je le mets sur le poulet. Alors moi je me sers des baguettes hein, pour touiller, mais vous pouvez faire ça à la cuillère. Et après regardez, on fait sauter tout ça. Maintenant on va prendre la courgette. Alors la courgette pareil hein, on enlève le dessous. Le dessus, voilà, on va garder le vert, ça va donner de la couleur. Après, on la coupe en deux, voilà, et on va faire ce qu'on appelle une julienne. Alors la julienne, c'est des petits bâtonnets très fins, voilà. Une fois qu'on a ces petites tranches de fête, on vient prendre son couteau, regardez, hop, on coupe ces petits bâtonnets, voilà. Et après, on prend cette courgette, pareil, on la met avec le poulet et le poivron, et on fait sauter. Ça commence à être joli, il y a de la couleur. Voilà, le poivron il est cuit, il reste quand même un peu croquant dedans. Le poulet est pratiquement cuit. Donc vous voyez, c'est très très rapide. Hein. Et maintenant, les champignons. Alors regardez, les champignons, on va les couper en deux. Voilà, une fois qu'ils sont coupés en deux, je prends une moitié. Tac, 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 tac. Voilà, donc tout doucement comme ça, assez fine tranche. Voilà. Alors je vous disais, hein, le secret d'un wok, c'est que tous les ingrédients doivent être vraiment coupés très très fins pour que ça cuise plus vite. Donc on a les champignons qui sont émincés finement. Pareil, on va les mettre ici dans notre wok, ça va donner de la couleur. Et les champignons, on les laisse quand même un peu croquants. Et hop, on continue à sauter tout ça. Voilà, c'est pratiquement cuit. Voilà, il reste une petite minute de cuisson. Donc on a tous les légumes, on a le poulet. Et maintenant on prend les nouilles. Alors les nouilles, moi je les ai pré-cuites un peu avant dans l'eau salée pendant à peu près 5 minutes. C'est des nouilles chinoises. On prend les nouilles comme ça et on va les mettre dans le wok directement. Regardez, on prend à peu près une grosse poignée comme ça de nouilles. Voilà, une grosse poignée comme ça. Un peu élastique comme ça, voilà. Et on met les nouilles dans le wok. Voilà, attendez, voilà. Donc on met les nouilles dans le wok. Ça c'est bon, c'est suffisant. Donc je mets ça ici. Et là, pareil, on fait sauter les nouilles avec le poulet, avec le poivron, avec la courgette. Les petits champignons. Et voilà, c'est pratiquement cuit. Et vraiment, ça, c'est à la fin. Donc, on baisse. On vient mettre un peu de sauce soja. Donc, la sauce soja, ça va permettre de saler le wok. Voilà, lui donner du goût. Donc, vous avez bien vu, hein, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre. C'est la sauce soja qui va faire son travail. Donc, elle va l'assaisonner. Donc, j'en mets un tout petit peu comme ça. Voilà. Donc, la sauce soja va réduire, va caraméliser un peu tout ça et va l'assaisonner. Ça commence à vraiment sentir bon. Voilà, une fois qu'on a ces légumes qui sont cuits avec le poulet et les nouilles, le wok, il est prêt. Et moi, je vous propose de passer à la présentation. On prend le bol, voilà, je le mets ici, comme ça, il y a un bol vide. On prend nos baguettes, alors les baguettes, allez, on les tient comme ça. Et là, on vient déposer, pour commencer, un peu de nouilles. On va poser ici, au centre. Voilà, et après, on va mettre un peu de garniture, donc un peu de poulet. Voilà, ici, voilà, toujours un peu de poulet. Juste au-dessus comme ça. Et à la fin, vraiment à la fin, on va venir parsemer de graines de sésame. Regardez, je mets un peu de graines de sésame dessus. Ça va apporter un peu de croquant à mon wok. Et voilà, le wok thaïlandais au sésame, il est prêt. Et maintenant, à vous de jouer.